Dans un instant. Court-circuit, ou quand le cinéma fait de petites vagues toutes nouvelles, dans un instant. Lundi. Super, mon cher. Paris. L'OM. PSG. Gazzodilo. Un chouette film. De Tony Gatliff. Lundi, à 20h45. Les belles. Jeudi prochain. La nuit qui se traîne et ne veut pas finir. Jeudi prochain à 20h45. Le ciel, le soleil et la mer, il y a largement de quoi faire un court-circuit tout de suite. Arte. Willst du deine Schuhe heute den ganzen Abend in der Hand behalten? Natürlich nicht. Ich wusste nicht, dass du schon fertig bist. Wie viel Uhr ist es denn? 7. Dann aber los. Du siehst wieder fabelhaft aus. Wie immer. Dankeschön. Möchtest du lieber wieder umkehren? Nein. Sicher? Ja. Nach dem Essen gehen wir tanzen, ne? Natürlich. So still, ist dir nicht gut? Was? Nein, ich habe mir heute keinen großen Hunger. Schau mal, als Dessert gibt es Creme Catalana.
ob ich danach noch so leicht wie eine Feder mit dir tanzen kann? Von Engeln getragen. Ich bin bald zu alt dafür. Du bist nie zu alt dafür. Charlotte, ich muss mit dir reden. Ja. Ihr Besuch ist jedes Mal ein Geschenk für mich. Oh. Sie sind ein wundervolles Paar. 40 Jahre verheiratet und immer noch glücklich und verliebt. 43 Jahre. Oh, Entschuldigung, 43 Jahre. Wie romantisch und wie jung es Sie beide macht. Danke, Franco, das ist sehr liebenswürdig von Ihnen. Einen kleinen Sherry für Sie, gnädige Frau. Mhm. Wie immer einen kleinen Sherry. Und für Sie ein Espresso Macchiato. Ein Wodka auf Eis, bitte. Sehr gern. Kleiner Sherry, Wodka auf Eis. Wodka? Ja, Wodka. Er geht mir auf die Nerven mit seiner Freundlichkeit. Wie jung es sie macht. Der alte Sack ist doch bloß neidisch. Warum gehen wir eigentlich immer wieder hierher? Entschuldige, ich bin ein bisschen gereizt. Bist du sicher, dass du noch mit mir tanzen gehen möchtest? Natürlich gehen wir tanzen. Dann darfst du auch ruhig ein bisschen gereizt sein. Charlotte. Kleiner Sherry. Und Wodka auf Eis. Und du kommst. Das geht nicht klar. Mach dir noch einen netten Abend. Meine Augen sind wieder schlechter geworden. Vielleicht ist es auch nur wetterbedingt. Und ich vergesse mal, mir die Tabletten zu kaufen. Du könntest mich morgen früh daran erinnern. Ist doch zu blöd, dass ich nie daran denke. Ich kriege bestimmt noch einen grauen Star oder ich werde blind. Bloß weil ich vergesse, mir diese verdammten Tabletten aus der Apotheke zu holen. Wenn er kommen soll, kommt er natürlich nicht, der alte Sack. Jetzt erzähl mir doch bitte mal, was dir wirklich am Herzen liegt. Gleich, komm, lass uns hier weg. In mir geht was vor. Was geht in dir vor? Sag es mir. Wie soll ich sagen? Es hat sich alles so verändert. Die Sichtweise der Dinge. Verstehst du? Oder ich habe mich verändert. Findest du nicht auch, dass ich mich verändert habe? Ja, natürlich. Du redest komplizierter. Unsinn. Wir haben uns beide verändert. Aber ist doch gut so. Wir wachsen dadurch weiter zusammen. Ist doch in Ordnung, oder was denkst du? Was ich denke? Ich denke, irgendwas stimmt nicht mehr. Bin ich mit dir, mit mir. Ich bin nicht mehr ich. Ich bin irgendwie jemand anders und den verstehe ich selber nicht. Und mit diesem anderen kommst du nicht zurecht. Du hast mit ihm Probleme. Probleme ist gut. Richtig große Probleme und die kriege ich nicht mehr in den Griff. Ich glaube, ich kann mir nicht mehr selber helfen. Es sei denn, ich wäre mal ganz für mich. Es hat wirklich nur mit mir zu tun, das musst du mir glauben. Ich muss einfach mal getrennt sein. Natürlich nicht für immer. Ich liebe dich ja. Dass wir einfach mal getrennte Wege gehen für eine Weile.
Möchtest du doch mit mir tanzen? Natürlich, aber du hast doch verstanden, was ich eben zu dir gesagt habe. Ja, du hast gesagt, du möchtest mal getrennte Wege gehen. Ja, für eine Weile. Ich muss über mich und über unsere Zukunft nachdenken. Wann? Was wann? Wann möchtest du ausziehen? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich habe doch keinen Plan. XY, nachdem ich verschwinden will, das entsteht doch gerade erst oder in den letzten Tagen. Ja, ich glaube, ich sollte einfach mal ein bisschen allein sein. Kannst du das nicht verstehen? Doch, doch, ich kann das verstehen. Ab wann möchtest du allein sein? Das weiß ich ja auch nicht. Das muss ja nicht gleich sein. Nicht gleich morgen oder übermorgen. Das ist doch in Ordnung, oder? Ja, es ist in Ordnung. Morgen finde ich gut. Morgen findest du in Ordnung? Ja. Was denkst du? Über dein Weggehen? Aber das ist doch nur vorübergehend, bis ich mir über mich klar geworden bin. Wenn es dich glücklicher macht oder du dadurch glücklicher wirst, dann solltest du gehen. Gehst du jetzt weg? Nein, mein Schatz, ich gehe nur schnell mal aufs Klo. Alles, was ich eben gesagt habe. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat. Ich will nirgendwo ohne dich hin. Ich weiß. Wieso? Weißt du das? Weil ich dich kenne. Wie immer. Jeden Tag will ich mit dir sein. Immer. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. I
détour des petits jours de pluie, ils se rencontreront, ne se diront rien, mais se rencontreront jusqu'au bout de la nuit. Tout de suite. Arte. Ce soir. Ça vient d'Australie. C'est un thriller déroutant qui vous mettra la tête à l'envers. C'est l'effet antipodique. Un suspect idéal. Ça vient du Québec. C'est un mouvement libertaire qui s'appelait Refus Global. On était en 48 et ça mettait des points à côté des I. Grand format opine. Ça vient d'Hong Kong. C'est un cinéaste qui met le chaos dans le cinéma. À voir pour être in the mood, Nos années sauvages de Wong Kar-wai. Aïe aïe. Pour vous plaire, à 20h45 à Suspect Idéal, à 22h25 grand format, à 23h45 Nos années sauvages. Mais en mai, c'est juré, j'arrête la cigarette. Je continue de par Dieu et je garde du père. Je retrouve le centre Pompidou, je retrouve aussi l'arche perdue et les tableaux volés. Je révise un classique, puis un autre. Je dis stop ou encore en mai, c'est juré, je fais ce qui me plaît. Samedi. Les frontières qui séparent les pays sont-elles lisibles, telles les lignes d'un livre? Que nous apprennent les cartes et leurs mouvements? La réponse est géopolitique. Chaque samedi, Jean-Christophe Victor prend 10 minutes pour lire le monde dans ses cartes. C'est simple et passionnant. Et c'est à 20h. Je tricherai en disant que tous les matins, me redis la même chose. Mais c'est la hantise dans l'artisanat, c'est d'être fidèle à la tradition. Pour moi, un atelier ne vit que s'il est profondément fidèle. On ne doit pas trahir l'outillage. L'outillage est immuable, ne bouge pas. On doit l'accompagner. On ne peut pas trahir. Notre métier de gainier d'ameublement consiste à le collage de cuir sur des meubles, c'est ça, des cuirs collés sur meubles, ce qui nous différencie des tapissiers par exemple qui tendent. Nous, la plupart du temps, nous collons les bureaux, les abattants de secrétaires. En plus, grâce à l'outillage qu'on voit dans cet atelier, les cuirs sont décorés à l'or. Alors, on va commencer par l'ancien Robert qui va nous quitter, malheureusement, mais heureusement aussi, parce que presque 45 ans de maison, il faut profiter aussi d'une vie personnelle. Ce qui va
le plus marqué, c'est que mon père, par contre, ne voulait pas, disait qu'une femme ne dorait pas, n'avait pas à dorer. Et c'est après qu'il soit mort que j'ai, me suis mise à la dorure en me disant, il n'y a aucune raison que je ne connaisse pas la dorure. Donc je m'y suis mise. J'ai vraiment, vraiment eu peur de ne pas réussir. Après, nous avons Michel Hénon, spécialité de la restauration des cuirs de cordoue, donc des cuirs peints. Et grâce à son métier de laqueur, elle a toute la finesse voulue pour retrouver les dessins et les couleurs des cuirs anciens qui sont déchirés, des grandes parties absentes et tout, tout ça est recréé. Michel Hénon a mis au point une technique qui lui est très personnelle pour la patine et le vernis. Ensuite, nous avons Astrid Lecroix, Emmanuel Lemoine, Marie-Jeanne Nodot. Je lui ai transmis tout ce que mon père m'avait transmis quant au gainage très spécial du parchemin. Bon, le geste, bien sûr, ça s'apprend et ça s'apprend toujours. Il y a tout un toucher, un doigté dans la finition, par exemple. La finition, c'est très important. Il faut que chaque client qui sorte de cet atelier ait l'impression que il est unique. Ce qu'il emporte, c'est pour lui unique. Donc, si je prends une peau pour la teindre, pour la couper, pour la préparer pour une mesure donnée qui m'est demandée, je ne la coupe jamais avec indifférence. Et je demande toujours à ceux qui travaillent avec moi d'avoir ça en esprit. Parce que... Un petit enfant, c'est extraordinaire. Lui peut parler toutes les langues du monde, alors que nous avons sélectionné pour en apprendre une seule. Manger, parler, jouer, chaque geste a un sens. Je t'aide. À partir du moment où un enfant ne veut pas manger, eh bien il ne mange pas. Il faut être avec lui comme on est avec un invité. Le vendredi à 14h35, les tout-petits vont vous en apprendre de belles. Le jour où il dit le mythique caca-boudin, ça veut dire qu'il a compris quelque chose, il maîtrise sa langue. Bonjour. Bonjour. Le vent de la révolution souffle aujourd'hui sur les écrans du savoir. Il sera question de révolution congolaise et d'un traité qui, d'une certaine manière, révolutionna la construction européenne. Écoutez, prenons le maquis pour regarder le sommaire. Dans Vive la République, Philippe Séguin revient sur cette année 1992 où il dit non au traité de Maastricht, non à l'Europe politique, plaçant ainsi son entrée sur la scène politique sous le sceau de la contestation. Patrice Lumumba, lui, disait oui, oui à la décolonisation, oui à la démocratisation de son pays avec la révolution congolaise. C'est ce dont nous parlera Histoire de comprendre, mais surtout Patrice Lumumba n'a duré que le temps que durent les légendes. Alexandre Adler reviendra donc sur cette grande figure mythique du Congo. On est ravis de recevoir une figure de la télévision française qui ne dédaigne pas la plume à l'occasion. Notre invité du jour, c'est Pascal Sevran. Loin de là, au contraire, puisqu'il la manie avec talent, cette plume. En effet, homme de télévision, chanteur, homme d'écriture aussi, auteur du fameux « Il venait d'avoir 18 ans » pour Dalida, prix Roger Nimien 1979 pour Le passé supplémentaire. Il signe le deuxième tome de son journal avec des lendemains de fête chez Albin Michel, l'occasion pour nous de goûter au bonheur provisoire de passer un moment avec Pascal Sevran. Pour commencer, on va revenir 9 ans en arrière. Nous sommes en juin 1992. François Mitterrand décide d'avoir recours au référendum pour ratifier le traité de Maastricht, traité révolutionnaire, dans la mesure où c'est le premier dans l'histoire de la construction européenne à jeter les bases d'une Europe politique. Cette Europe politique, Philippe Séguin n'en veut pas. Il va le faire savoir lors de la campagne. Il revient dans Vive la République sur cette campagne où s'affrontaient deux conceptions de l'Europe. Français, Françaises, à vous tous, au nom de la France, vive la République! Vive la République! Vive la République!
et vive, vive la France. La France. La France. La France. Notre France. J'ai choisi, comme vous le savez, le référendum. C'est plus risqué. C'est risqué pour l'Europe, c'est risqué pour le président de la République. Il faut que dans chaque village, que dans chaque commune, que dans chaque quartier, dans chaque rue, il y ait une formidable explication, puisqu'il s'agit et de la France et de l'Europe, et que chacun sache ce qu'ils font lorsqu'ils déposeront leur bulletin dans l'urne. La première chose que je voudrais vous demander sur Maastricht et ce traité de Maastricht, ce référendum, cette campagne, c'est de nous restituer peut-être le contexte qui va donner naissance à ce référendum en France, l'état d'esprit un petit peu, l'état d'esprit du pays tel que vous le sentiez vous-même ou tel que vous pouvez vous le remémorer, et votre propre état d'esprit qui fait qu'à un moment, vous prenez la tête du nom à Maastricht. Bon, le contexte... Le contexte est assez facile à restituer. Il y a une surprise, c'est le choix fait par le président de la République de la procédure référendaire. Alors peut-être ne s'y attendait-on pas, mais aussi loin que je remonte dans le passé, même si mon point de vue est peut-être marqué par le rôle que j'ai pu y jouer, mais aussi loin néanmoins que je remonte dans le passé, je ne me souviens pas de moments démocratiques aussi intenses que ces quelques semaines qui ont précédé le référendum. Il y a eu, je crois, une qualité de débat, une qualité d'écoute, je dirais une qualité d'interrogation de la part des Français, que je n'avais jamais pour ma part constaté auparavant et que je n'ai jamais vérifié depuis. Et c'est un grand souvenir démocratique. La construction de la communauté européenne s'était d'abord opérée par l'œuvre de quelques grandes individualités. En France, Jean Monnet, Robert Schuman, qui avaient souvent préféré une méthode pragmatique axée sur l'économie concrète aux grandes explications politiques. Les résultats sont impressionnants. Un marché commun est constitué à 6 pays en 1956. Ils seront 12, dont la Grande-Bretagne et l'Espagne, à la fin des années 70. Dans les années 80, l'entente étroite de deux hommes, le président français François Mitterrand et le chancelier allemand Helmut Kohl, qui se renforcent mutuellement, aboutit à une accélération. C'est ainsi que prend corps le projet le plus ambitieux de toute l'histoire de l'Union européenne, l'adoption d'une monnaie unique. C'est le traité de Maastricht qui est conclu au moment même, automne 1991, où l'Union soviétique s'effondre. Or, le débat européen divise alors l'ensemble des forces politiques françaises. Pour le traité de Maastricht, toutes les élites socialistes et libérales réunies, dont l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Et quand on trompe les agriculteurs, quand on dit « votez non à Maastricht, ça améliorera votre situation », ça n'y changera rien. Et contre le traité, outre les prévisibles communistes, gauchistes et Front National de Le Pen, la tendance socialiste républicaine de Jean-Pierre Chevènement, ainsi que trois mousquetaires de la droite, le traditionnaliste Philippe de Villiers, le gaulliste historique Charles Pasqua, ancien chef du SAC, et le gaulliste social, Philippe Séguin. Alors, qu'est-ce qui fait que, passé le moment de surprise de la décision du président de la République d'en appeler au référendum, vous choisissez de faire résolument campagne pour le non ? Qu'est-ce qui vous détermine à aller Décidément, Maastricht va rester un sujet de polémique. Il y avait un acte fort qui allait se dérouler sur le plan européen et qui ignorait la libération d'un certain nombre de peuples européens qui venaient de se produire. Alors, rien que pour cela, il me semblait qu'il fallait remettre l'ouvrage sur le métier, parce qu'il n'y avait aucune réponse dans le traité de Maastricht à l'attente qui s'exprimait en Pologne, dans la Tchécoslovaquie de l'époque, en Hongrie, voire même en Russie. Et puis la deuxième objection tenait à la méthode. On a souvent dit, je crois à tort, que Maastricht avait vu, la campagne référendaire avait vu l'opposition entre une France d'hier et une France ouverte à d'autres lendemains. En fait, je crois que s'il y a eu opposition, ça a été l'opposition qui date de plusieurs décennies, entre deux méthodes de construction européenne. Une méthode qui continuait, et
pour cause, puisqu'il s'agissait de monnaie unique, d'union économique et monétaire, à faire de l'économie le vecteur de la construction, la politique devant suivre et s'adapter tant bien que mal, et ceux qui pensaient qu'il fallait d'abord un projet politique et ensuite en tirer un certain nombre de conséquences.